Et il a arrêté un gros militant politique. Tout le monde connaît ça. Le monde connaît Arabe et Maslin et Mertil, alias Arabe. Donc, les victimes d'une arrestation politique, arbitraire, illégale. Maintenant, et secrétaire général parti petit de Saline, et l'ancien sénateur Maurice Jean-Charles, il est là, nous, il demande pour nous porter assistance juridique et assistance de toute nature. Donc, bah, Arabe, étant donné que c'est au Kaï la Kaï nous, il est en prison. Je vous dis à nous de venir pour nous voir comment, et monsieur Yé. Bon, pour question traitement, nous connaissons déjà mauvais traitement. Le simple fait qu'on trouve dans l'espace-là, pas gagné bon traitement. Ce que la population doit connaître dans sa passé, c'est que pas gagné rien de droit. C'est un mandat qui émet Port-au-Prince, un mandat d'amener par le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince. Mandat, ça va pas exécuter dans la juridiction, ça. À moins que. Il y a une possibilité pour les gens qui mettent mandat contre le client pour prendre mener devant l'autorité qui émet mandat. Parce que le mandat d'amener, lorsque ils émettent par un juge de paix, par un commissaire du gouvernement ou bien substitut, c'est prendre les gens mener devant l'autorité. Depuis, pas une possibilité pour prendre les gens mener devant l'autorité ou pas capable de faire. C'est seulement mandat un juge d'instruction. Le bal au juge d'instruction ou pas joindre ni les mandats fin exécuté ou capable mettre mon nan en garde à vue parce que le juge d'instruction a 24 heures jusqu'à 24 heures pour lui tendre mon nan. Et c'est pas le cas, c'est pour un mandat du cabinet d'instruction qui est exécuté contre monsieur et Arabe. Donc ça c'est aspect juridique question puisque arrestation illégale, détention li aussi illégale et nous a fait ce que de droit. Ce que de droit pour nous mettre Arabe donc en liberté si autorité yo voulait permettre population comprendre que bon état de droit toujours on tire dans état de droit qui fonctionnel mais nous en pleine dictature et nous pral montrer le monde que nous non dictature et lorsque nous pral faire ce que de droit et que yo pral refuser mais Arabe la tourne aux poissons dans le coup et dans le gouvernement parce que le gouvernement en place pas arrêté opposant. Les bons gouvernements tombent dans arrêté opposant, ils vont un message clair. Il reste la population, il reste du monde, que n'est pas en droit, il est en dictature. Nous-mêmes, nous allons faire ce que de droit. Est-ce que nous comprenons juridiquement que l'arrestation était totalement arbitraire? Oui, totalement arbitraire parce que la loi pas prévoit que un mandat d'amener qui est mettre pas un commissaire gouvernement qui n'ont l'autre juridiction capable d'exécuter Borisia. Bien possible. Soit l'encontre d'instruction criminelle là, ou après c'est mandat de dépôt, mandat d'arrêt, yo capable d'exécuter dans l'autre juridiction. Moyennant, yo joindre un juge de paix qui vise mandat avant exécution. Pas le commissaire du gouvernement. Le commissaire gouvernement ici a fourré tête longtemps, j'en tête chargée là. Un, c'est lui-même qui dit. Qui baille exécuature pour mandat exécuté, li pa gen, la loi va bal droit ça. Deux, monsieur, vous mettez un mandat de dépôt, le mandat d'amener exécuté, commissaire qui va mettre mandat, va calendrier, mettre mandat de dépôt, code d'instruction criminelle là, clair dans ça, constitution, article 27.1, clair. Tout ça qui est fait, son acte arbitraire qui pose contre liberté individuelle, citoyen haïtien, ça, qui est les Arabes là, qui est au dit non, Arabe, tout le monde connaît son nom Arabe là, ils ont mis en prison. Et article 27.1 dit, leur autorité commet un acte arbitraire contre liberté individuelle, c'est pour poursuivre lui sans permission préalable. Et la poursuivre richement parce que qu'ils connaît bien que les violent les droits citoyens. Ils ont mis le mandat comme chef et de prévention. Que monsieur commet crime contre la sûreté intérieure d'État, il a association de malfaiteurs. Maintenant, il paraît que sans que nous ne connaissions, un nouveau code d'instruction criminelle, un nouveau code pénal qui est publié dans le pays. Parce que nous connaissons qui ça crime contre la sûreté intérieure d'État, nous connaissons qui ça qui est association de malfaiteurs. Si il y a une association de malfaiteurs avec crime contre la sûreté intérieure d'État, c'est monsieur qui a dirigé qui commet des infractions. Mais comme il a dirigé, il a mis comme ce n'est pas une infraction. Maintenant, Arabe, qui ça
qui est association de malfaiteurs pour lui. C'est un citoyen qui n'a pas qu'à vivre la caillou, qui n'a pas qu'à arrêter dans l'espace construit, qui n'a pas qu'à vivre dans le pays, qui n'a pas qu'à vivre sous terre, qui n'a pas qu'à vivre dans l'espace haïtien, qui n'a pas qu'à vivre en bas de l'eau haïtien. Il n'y a pas de côté pour vivre. Il dit désormais, donc c'est mon nom, il a révolté contre Bagaza et puis il a pris la rue. C'est un bon intellectuel qui dit. Un peuple qui vit dans la condition haïtienne à vivre là, qui n'est pas révolté, il n'y a pas de monde. Il n'y a pas de pour l'esclavage. Nous n'avons pas de pour l'esclavage. Nous quittons l'esclavage derrière. Tout le monde qui vit dans la dictature, ça, qui accepte. Donc, il faut qu'il fasse un psychiatre pour le monde. Donc, nous-mêmes, nous quittons les choses derrière depuis 1986. Maintenant, Arabes, avec tout haïtien, l'un là, oui. Si il y a une association de malfaiteurs, donc ce sont les Haïtiens que le pouvoir traite de malfaiteurs, si il y a un complot contre la sécurité intérieure de l'État, d'ailleurs dans la période de la Bible, il n'y a pas de l'État, pas qu'il y a un complot contre la sécurité intérieure d'un État qui n'existe pas. Maintenant, nous ne comprenons pas ça, ça dit. Et il y a un peuple qui a défendu droit, qui dit besoin de manger, il a besoin de liberté, il a besoin de sécurité, il a besoin de circuler. C'est le premier droit au gagné, après le droit à la vie. Il a besoin d'aller et venir. Nous n'avons pas de droit ça. Ariel et cadenas, c'est tout le bagage, Mariani, Matissa, etc. Ils ont bloqué Grand Sud, ils ont bloqué Grand Nord. Donc, nous n'avons pas d'accord avec ça, nous prenons la rue. C'est tout le monde, qu'on intellectuel, qu'on l'air, qu'on bas, qu'on en mi-temps, qui doit contester comme ça. Et c'est ça, Arabe a fait. Et c'est ça qu'a fait tout côté dans le pays. Donc, il y aurait ça, association de malfaiteurs. Il y aurait ça, complot contre la sécurité intérieure de l'État. Qu'on a Ariel besoin de construire plusieurs milliers de chambres de prison pour arrêter tout haïtien. Pour mettre là-dedans, parce que c'est tout haïtien. Dans ce sens, ça a fait même association de malfaiteurs. Ça a fait un complot contre la sécurité intérieure de l'État. Donc c'est des situations que tout haïtien doit camper contre lui, parce que nous sommes dans le 21e siècle. Voilà. Merci, monsieur. La presse, je ne vous dis, nous-mêmes dans la petite Dessalines, dans le sud, nous venons là matin, nous accompagnons de batterie, avocat que petite Dessalines gagne, pour nous défendre le droit de nos citoyens. Je parle de nos citoyens, c'est M. Mentil, que le gouvernement. Li prend li kidnappé li enlever pour qu'il parle de kidnapping si un gouvernement a tenté inventer loi pour mettre des citoyens en prison elle parle de tenter inventer de loi parce que pas gagne un juriste qui parle qui dit que des provisions légales ça fait à fait ça veut dire c'est de loi que comme M. Joseph dit il a inventé de nouvelles codes de loi l'autre bagaille je ne dis à dès que nos pays des citoyens pas gagne droit le droit à l'expression le droit pour citoyen dit ça fait mal et bien là ça ou déjà dans une dictature. Et je ne dis pas, Arabe pas emprisonné comme n'est pas prisonnier. Arabe, c'est un prisonnier politique. Et si c'est un prisonnier politique, nous devons prendre des mesures politiques pour que nous bas gouvernement mon pièce là. Parce que je ne dis pas, regardez au commissaire du gouvernement comme M. Ronald Richemont. Bon, je ne vais pas dire pas étudier parce que plusieurs m'ont dit, mais côté de l'école. Ok? Je ne vais pas dire pas étudier. Mais là où nous si c'est sa conscience n'est que rine de l'âme, là où nous avons étudié, son étudiant, étudié à l'envers, ou vient par nous encore. Et nous-mêmes, en tant que citoyens, en tant que membre petit de Saline, le secrétaire général nous a demandé, pour nous intervenir, et ça fait deuxième intervention, nous allons faire toute ça la loi mandée comme recours pour que nous montrions le commissaire là. Et nous allons rappeler le commissaire avec tout appareil judiciaire là dans le sud. Ça vous fait contre Arabe aujourd'hui, de son décision politique. Et vous allez payer de manière judiciaire. Vous parlez de manière judiciaire, c'est la justice qui va être tranchée. C'est la justice qui va décider soit venir commissaire gouvernement, qui va décider soit venir l'autre autorité, l'autre soi-disant autorité qui dit arrêter lui, parce qu'il y a un contravention avec la loi. Et la loi dit nous, moi pas juriste, mais nul n'est au-dessus de la loi. Et nous dit aujourd'hui, c'est pour tout le monde comme ça, Arabes sont prisonniers politiques. Mais vous remettez ça par le gouvernement tout. Gouvernement, comme moi ou son gouvernement, parce que il y a deux mounou qui disent pour transition, gouvernement pour transition, pas faire rien, moi je vais faire l'autre bagarre parallèlement pour qu'il y ait transition ça. Vous obligez de faire prison pour tout haïtien. Ou bien, comme vous mettez tout le monde en prison, la caillou, vous allez mettre tout le monde en prison parce que, aujourd'hui, le peuple a bouqué. Et nous prévoyons, ce n'est pas seulement un recours juridique, on a fait un recours politique et tout, et nous prévoyons des manifestations en série pour que nous soyons capables de jouer la liberté arabe. Parce que une prison pour arabe, aujourd'hui, c'est une prison pour n'importe quel citoyen. C'est parce que il y a un bagage qui passe. Nègre là parce que l'autre, lui, n'a pas le pouvoir, parce que moi, je songeais, c'était M. Luc Désir.
qui sont les qui tuent en pile monde. Le aucun de monsieur à 86, monsieur dit je suis chrétien, je n'ai jamais fait de mal à personne. Ça veut dire, je pense que commissaire Richemont ou pas capi, ou pas capi dur parce qu'il désire. Et il désire mourir tristement célèbre. Et moi, quand il y a un pilote qui a accepté de pouvoir faire excès, faire abus de pouvoir, dépassement de pouvoir, eh bien, deux matins, il y a la justice. C'est le premier ministre, C'est un pilote autorité, sénateur, député, ça veut dire nous-mêmes, nous disons, commissaire gouvernement, attention, les lèvres ont chargé de nous. Il a levé charge là, mais il ne peut pas mettre la tête. Et nous demandons des populations, tant de mots d'ordre, nous avons mobilisé avant longtemps pour qu'il y ait des manifestations en série qui viennent dans le département pour nous demander libération pour Arabes et toutes autres prisonniers politiques qui sont dans le pays. Merci. Les Arabes sont militants politiques et nous-mêmes, nous sommes des militants politiques, tout. Et comment nous est la situation dans la prison? Mon frère, je ne vais pas parler de situation prison parce que tout le monde comprend ça, ça veut dire prison au cas en Haïti. Comment nous est arabe dans la prison? Arabe là, mentalement, plus gros bagage arabe qui est fort, c'est mental qui est là. Et monsieur dit, il est prêt pour continuer pour le gouvernement contre le pouvoir. Et il plutôt été faire ville là que pour un nec dit le beau pouvoir ça. Il n'est pas beau pouvoir ça. Et c'est ça qui fait l'homme. Et parce que c'est ça qui fait l'homme, nous demandons aujourd'hui, la situation arabe là, inacceptable. Parce que prison, ça que nous faisons aujourd'hui à le métier arabe, demain matin, est-ce que nous ne pouvons pas aller en prison tout? Et nous avons souhaité que le gouvernement prenne une décision pour réparer toute prison. Parce que là, on va mettre deux mondes dans les conditions humaines. Demain matin, l'on aime la justice. Nous, même si nous avons le pouvoir, nous avons mis prison, l'homme est en prison, nous avons traité le commun. Mais on va mettre prison quand même. Parce que tout le monde qui fait qui en contravention avec la loi, on met tant pour aller en prison. Merci, un dernier mot. Mais un dernier mot, nous demandons au commissaire gouvernement, comme je dis, c'est Bakop délégué à qui arrêter arabe. Tant de la raison, et je ne dis pas, nous avons un droit qui est important. Le délai est fatal. Nous, Arabes, nous avons 48 heures en prison. Ça veut dire que les droits arabes sont plus que violés. En plus, ils sont prisonniers politiques, droits violés. Ça veut dire que je ne dis pas, gouvernement et tout le monde qui viole la loi, ou mettre expiré, nous, tout droit violé. Monsieur Valé, d'abord, nous clair sur la question, parce que le gouvernement en place là, à travers Ariel Henry, pas respecté pour merci. Et après des accords qui n'ont pas de résultat. Nous même nous clair que la population a fait confiance encore. Il vient user et il faut y avoir responsabilité. Mais nous même nous sommes très réalistes. Dans la lutte populaire, généralement, on ne peut pas faire de manière isolée. Et c'est bien malheureux, il y a certains acteurs qui prennent le vivant, qui ont baillé d'autres. Mais c'est des dissidents, anciens dissidents et nouveaux dissidents, régime passé. Et nous même nous comprenons la réalité politique. La réalité politique, ça veut dire ça. Lorsqu'il y a une communauté internationale là, à travers les États-Unis qui supportent un gouvernement, ou une classe des affaires là, qui est la bourgeoisie, qui n'a pas exemple, aucune position, quelque part, la support du gouvernement, et ou un bandit, quelque part, et même tout, on voit qui a fait la bille le bouton, et le gouvernement, par contre, j'aime faire un essai contre eux, et pour nous-mêmes, population, là, on mène une bataille comme ça, comme si on mène une bataille isolée. Il faut compter juste sur contradiction ça, par rapport à tout poulain ça, qui est complètement meilleur, qui est moyen meilleur. C'est certain que la finit par récupérer le mouvement populaire là. Mais vous dites, ancien proche du gouvernement, de l'Afrique, oui. Ça veut dire que par exemple, la baille, le mouvement qui a fait dans la Rio. Nous, mais nous sommes tous très pessimistes. Pour qui ça? Parce que c'est des mouvements qui font d'une manière désorganisée, qui n'est pas disciplinée, qui n'a pas une base idéologique. Et nous clair sur ça parce que si nous avons un résultat passé qui n'a pas de résultat, non seulement pas de résultat, nous trouvons qui ça pas comme résultat, c'est bien des qui t'a poste au moins et que des gestions politiques qui fait. Et en fait, qui affaiblit le mouvement, et bien qui a rejoint Ariel dans le cadre de André Michel, tout ça c'est pour nous expliquer que nous n'avons pas de bataille sur la même forme encore. Qui donc bloquer route et bloquer route, rouler caoutchouc, et craser les gens. Et je pense que ça a une. C'est vrai, ils sont capables quelque part de considérer comme ZAM, mais le contexte ça, par rapport à ça, c'est comme résultat. Nous ne pouvons pas supposer utiliser la même méthode encore. C'est nous-mêmes, par expérience politique, si on ne pas de résultat, nous ne pouvons pas utiliser la même méthode encore. Nous pensons que nous devons avoir des résultats. Nous sommes clairs en dans Sud-Balé comme en tant que structure régionale et responsable. Nous-mêmes dans Sud-Balé, très impliqués comme acteurs dans l'activité. Mais qui s'acte à le faire comme conseil? C'est pour ça que et d'ailleurs, c'est un chambardement que tu as supposé gagner pour jouer une solution sur la place. Mais malheureusement, acteurs en face, tu donnes l'incapacité pour qu'ils renvoient ce gouvernement. L'autre dans les capacités pour renvoyer ce gouvernement et le gouvernement en place aussi, lui-même tout, lui dans les capacités pour l'atterrir, pour le résultat. C'est certain qu'il n'y a pas d'autre solution, non, c'est une négociation. Qu'on est capable, justement, on est capable envisager quelque part un départ ordonné et discipliné par rapport à Ariel, parce qu'il est épuisé. Mais, soit pour nature gouvernement, force en face là, lui-même dans l'incapacité, et le gouvernement tout, lui-même aussi, il n'est pas capable pour le résultat. Il va organiser l'élection, il va faire apaisement social, il va mettre sécurité, quelque part, il n'est pas capable. Et nous, les gens qui disent dans l'opposition, nous-mêmes comme nous dans l'opposition, mais nous avons une opposition critique.
et ça fait que nous frapper ensemble avec eux, mais nous marcher séparément parce que nous pas retrouver dans façon que il y a bataille là, parce que c'est une bataille qui fait d'une manière désorganisée et pas une trop moralité là dans tout, parce que c'est des acteurs qui ont certains là dans qui ont contact avec la justice, des milliers avec la justice, et qui ont d'autres c'est des dissidents que nous-mêmes nous gagnons à reprocher tout. Sinon, je pense que construire une bataille comme ça, je pense que c'est renforcer l'impunité. Parce que 3 ans, ma chance n'a pas qu'à délivrer et Matissan, qui ont un problème, qui a vu mettre sous Mariani, pour dire combien de nécessité. Après 17 côtés, les gens dans le sud ont compté le ciel, pas de ça, nous pas bien, les gens. Je dis à la, qui ça qui t'a mieux fait pour nous sortir dans la crise? Mais nous-mêmes, nous clair que nous ne pouvons pas utiliser les mêmes armes avec Elmir. Si les gangs kidnappé, yo lock Port-au-Prince, nous même nous pas lock département nous. Si gang empêcher l'école fonctionner et à Port-au-Prince et nous même comme dirigeants politiques nous pas capable envisager ça tout dans le sud pour que nous même nous empêcher l'école fonctionner. Moi c'est que nous même faut nous très intelligents sinon on a fait jouer Elmian parce que Elmian vient déstabiliser pays là. Si ça ne gagne comme ressource c'est Kimbeo mener d'autres formes de bataille pour que nous même jouer un résultat mais nous pour une mobilisation générale parce que pas mal faut cadeau mais faut nous faire d'une manière ordonnée et disciplinée. Plateforme décision, rencontrer avec la presse matin pour nous parler sur les conjonctures politiques. Avant tout, nous côté sympathie, nous avons toutes familles, amis, proches, monde qui t'a manifesté pour la meilleure que policiers assassinés dans la grande danse, dans la naïve et dans la presse au CAI. Nous sympathisons nous tous avec la famille Agent Sapio et l'État assassiné dans la commune Pétionville qui gagne tout, la mairie de Pétionville qui est impliquée dans les actes criminels. Nous constatons aujourd'hui l'intimidation qui gagne pour côté pouvoir Ariel Henry, ancien Premier ministre de facto qui déjà pas gagné en rien comme légitimité qui pas gagné qui vient pas gagné qui prend le pouvoir d'assaut. Nous sympathisons nous tous avec moun kap subi intimidation tant pour nous arrêter tant pour militants politiques et Marcel Mertil alias Arab qui arrêté mais nous comprenons ça. Mais ces dames pouvoir y'a fait, ils ont arrêté à la sous prétexte qu'ils ont fait incitation à la violence. Alors que les gens qui ont fait violence, les gens qui ont tué, les gens qui ont assassiné, les gens, le pouvoir n'a pas de problème avec eux. Même j'entends. Madame Prophète dit que ils n'ont pas de contrôle BESAP. BESAP c'est un groupe criminel. Alors que ils n'ont pas de problème avec Vite l'homme, ils n'ont pas de problème à la mort sans jour, par exemple. 400 Marozo même, c'est eux-mêmes qui portent l'argent bah pour marcher sur le monde dans plein temps, pour marcher sur le monde sur Frère Torsel, Fatima, Pernier, etc. Donc, nous comprenons toute intimidation pour voir ça à faire, c'est une façon pour faire le monde rentrer dans le coquille. Mais 38 ans après la bataille, tout est cassé, et Babouquette qui était dans la bouche du monde, qu'on n'a pas bien droit pour parler. Liberté d'expression pas permis dans le pays et 38 ans après nous encore dans la dictature et nous-mêmes nous disons tout le monde qui n'est pas d'accord avec ce qu'a fait tout le monde qui n'a pas accepté avec la dictature que l'ambassade américaine Canada de la France etc. voulait imposer dans le pays nous devons lever camper pour mobiliser pour ne pas prendre un caponnage ça. Et nous croyons tout le monde qui dans mobilisation aujourd'hui a gagné un seul objectif. C'est arriver à débarrasser prématurément de Ariel Henry qui prend le pouvoir d'assaut. Et nous prenons acte depuis 7 février 2024 qui se passe là, Ariel Henry, d'après accord 21 décembre, qui était publié dans le journal. Et le moniteur pays, Ariel Henry pas en rien encore. C'est sa cause nous-mêmes nous dit, nous appuyer toute mobilisation qu'a fait sous toute forme de manière pacifique pour nous capables de débarrasser pays des équipes sanguinaires, insouciants, sans frappe
ni loi sa yo. Nous ne sommes pas capables de croiser bras devant une situation maloute comme ça. Côté États-Unis a préparé le mois qui vient là au 2 novembre pour faire élection. Ils ont fait élection pour au niveau parlementaire, ils ont renouvelé le personnel politique. Ils ont fait élection présidentielle alors que en Haïti depuis 13 janvier 2020, les jeunes voyaient 20 sénateurs à l'EO. Le pays a ses décisions personnelles qu'elle groupe monde a dirigé, et spécialement depuis 20 juillet 2021, côté ils ont mis Ariel Henry dans le pouvoir par un tweet. Nous demandons des populations lever camper, pas prendre diversion, pas prendre caponaille pour nous capables de mobiliser pour nous capoter Ariel Henry. Nous n'avons pas besoin de paix. Un pouvoir qui est à 6 lignes, qui est gang criminel, assassin, nous pas besoin d'intimider parce que Duvalier était supporté pendant 29 années par même pays yo, dans l'international là, et Duvalier était plus monde à côté, bien que je dis à pouvoir ça la police. Et quand il faut policier la donne, parce que des actes criminels nous ont fait, ça n'est pas capable, c'est bon policier qui a fait. Il y a gagné gang qui à la disposition, il y a l'armée. Mais Duvalier a gagné environ 45 000 makout, Toto makout, bien équipé, en forme. Mais un jour, la communauté internationale a estimé que il n'est pas capable de continuer pour supporter Duvalier et d'obliger la guerre. Et nous voyons un message pour les États-Unis d'Amérique, la France, Canada. Support que la relation nous gagnons dans la diplomatie avec eux, ce n'est pas une relation avec Ariel Henry. Ce n'est pas une relation avec l'équipe au pouvoir, c'est une relation entre deux pays. Donc nous devons batailler pour nous retirer Mounsayo, pour nous définir quel type de relation nous devons gagner entre tous les pays dans l'international. Parce que je dis, nous ne sommes pas capables encore. Et nous demandons des populations à lever, camper. Dès demain, si Dieu levé, c'est mobilisation. Nous ne pouvons pas nous découvrir ça. Tout le monde connaît l'espace pouvoir. Côté tout danger, tout mal planifié, c'est notre primature. Eh bien, tout mouvement doit gagner une seule directive, nous devons prendre une seule direction, c'est aller vers la primature jusqu'à ce que nous mettions Ariel Henry. Merci beaucoup. Non. Le mouvement des jeunes engagés pour le nouvel Haïti, avec la plateforme décision, mettez avec les grosses structures, débloquer Haïti et saluer toute la presse en général. Je dis à nous connaître la presse qui parle, son secret de polichinelle qui est lié. Ariel Henry, avec tout acolyte qui occupait l'espace primature depuis 7 février 2024, que je passe là, nous connaissons une escalade de violence de tous côtés, dans tout secteur. Pour nous citer, journaliste confrère nous, qui c'est Jean-Marc Jean, qui est victime de brutalité policière dans le jour qui se passe là, qui c'est 8 février 2024. Nous connaissons Jean camarade de Lussotil, qui est imposé à Jean Pessac, qui est victime en bas représailles, en bas répression pour voir en place, là, a fait contre tout le monde qui a manifesté pour dire non avec forme de dictature que Ariel Henry avec tout acolyte de concert avec plusieurs pays dans l'Amérique du Nord, pour que vous voulez mettre Haïti dans une situation pour que vous perdiez la souveraineté. Nous maintenant, ce que nous qui dit aujourd'hui, tout mouvement qu'a fait pour que nous joignions Ariel Henry, avec tout accord qui évacue l'espace pouvoir politique, il faut occuper depuis 7 février 2024, de manière illégale, nous connaissons suivant encore le 21 décembre 2021, côté qui a dans l'article 20, dit que après le président qui se tient dans l'élection, qui a pris un charge, qui a pris la parole nationale 7 février, ça a que nous, qui techniquement et politiquement, qui n'a aucune volonté, même pour créer un climat de paix dans le pays, pour organiser l'élection, nous voyons que l'équipe ça qui est là, eux-mêmes, et ça qui est au comme objectif, ce n'est pas une question là, ce n'est pas une question d'organiser l'élection pour nous camper l'institution normalement, mais c'est plutôt faire répression, c'est plutôt instrumentaliser la police, instrumentaliser la justice pour qu'ils soient capables de mener le pays à nos routes difficiles. L'un connaît dans le mois de janvier qui se passe. Ce sont les qui sont plus violents comme les Nations Unies. Il y a plus de 1000 personnes qui mourent assassinées, qui kidnappées dans le pays.
Là, nous connaissons l'année 2023 seulement, il y a plus de 7000 personnes qui sont assassinées, plus de 7000 personnes qui sont kidnappées en bas de la répression Ariel Henry avec tout l'appui de Bio pour être capable de perdurer le pouvoir, pour être capable de pérenniser le pouvoir, pour consolider le pouvoir. Mais ils ont fait tout le moyen nécessaire pour être capable de quitter le pouvoir parce que ont même connaît illégal, à n'importe quel moment, ils ont perdu le pouvoir, ils ont perdu le contrôle et la finesse du pays, ils ont parlé droite dans le pays national. Gagné pour 20 janvier, pour 27 février, la manifestation qui fait dans le pays, il y a environ, pour publicité, il y a 16 personnes qui mourent. Il y a plus de 40 personnes qui blessent en bas de la police pour les questions d'instruction sous l'ordre Ariel Henry avec Mme Prophète, Mme Terre-Roberti, mettez avec France LB, déconseillé avec les agents intérimaires dans plusieurs villes dans le pays, notamment magistrats. Et Kessner Lormil qui lui-même a utilisé tout le moyen nécessaire pour être capable de quitter l'arrêter et éventuellement nous connaître par le sorti là, mais qui n'a pas quitté la sortie parce que Ariel Henry, nous, toute partie politique, organisation populaire, organisation sociale et sur les civils, nous mettons ensemble dans ce fini là. Dernier message, nous lançons appel solennel par tout le monde dans le pays, quel que soit le monde, nous ne pouvons pas supporter. Gang, pas supporter criminel, pas supporter insouciant, inconscient, imposteur, cynique à Ariel Henry, et donc supposé pour rentrer dans un petit nom. Je dis à nous rehausser, pour nous surélever l'image pays. Nous ne pouvons pas quitter Haïti perdu avec un petit groupe de monde qui, je dis à mettre tout le pays en otage. Qui met tout le monde là, qui a fait qu'il n'est pas capable de jouer pour des sorties pour vaquer à l'occupation. Nous-mêmes, dans le mouvement des jeunes engagés, pour Nouvelle Haïti, MJLH, débloquer Haïti, mettez avec plateforme décision, nous campions tout bout, nous campions avec population, de manière générale, quelle que soit bataille à faire, sous toute forme, nous avons chaviré l'équipe Mounsa qui occupait l'espace pouvoir de manière illégale, mais nous disons, nous avec l'équipe de tout le monde, et nous disons, nous voulons sépartir en combat, journaliste Jean-Marc, c'est JJM qui est victime. Des brutalités des policiers, nous voulons essayer de battre tout le monde qui est victime, quelle que soit la couche sociale, quelle que soit l'appartenance politique. Nous disons que c'est parti, battre à la pape capé, combat à son combat de manière infinie, la faire, parce qu'il faut jouer pour Ariel Henry. Ariel Henry, comme nous, tout puissant, qui prétend que nous capable de briller là, qui est droit économique, social, là, ensemble avec la police, et nous disons que je dis à. Nous demandons aux populations de manière générale de lever le campé sous toute forme. Sous toute forme. Quel que soit le sort, vous devez faire pour retirer des boulots, c'est fait parce que nous ne pouvons pas situer les gens qui ont créé les mauvaises gouvernances dans le pays.